Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans le jeu des Léopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ce score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Fusée qui a débordé sur le flanc gauche et quand même... Précieuse victoire donc pour les Congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan deuxième du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement premier du groupe. Et c'est dans cette euphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu, on a un public formidable, donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui de faire d'être les meilleurs sur le terrain. La phase aller de ces éliminatoires se clôture pour les Léopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud.